Et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de notre première mission sur Styx, Ophalos Expédition. Et aujourd'hui, on va se faire le dernier scan, on va voir ce qui nous attend. Et en route. J'ai chopé des oiseaux au couteau. C'est dommage qu'il n'y ait pas le moindre morceau de viande sur un piaf. Il devrait y avoir de la viande. Pourquoi toi t'as pas... Dans ce sens-là. Ça, je peux manger. Quelle heure il est? 13h48. Ça annonce là-bas? Ou c'est un rocher? Est-ce que je devrais pas prendre la route et me réinstaller là-haut? Il manquerait juste quelques cailloux si je voulais faire une crafting bench, mais j'aurais pas la place dans ma cahute. Tiens bah, hop, toi avant que tu meurs, mange. Toi mange. Du coup on peut rafraîchir ça. On va en mettre là. Et prendre ça aussi. Et poser ça. Et mon inventaire. Je suis bien en flotte et en... Ouais, je pense qu'on va... On va y aller, on va se poser C'est bête qu'on puisse pas monter là quand même hein. On va se poser pas trop loin de la zone. J'ai fait de courir dessus ours. D'ailleurs, on avait dit qu'on referait. Quelques flèches supplémentaires. J'ai pas réparé mon arc. C'est un peu bête, mais j'en ai deux. Donc c'est moins bête. Est-ce que ça j'arrivais à monter ou... Oui. Quand même. Ça j'arrivais à le monter. Ça non. De toute façon ici on se prend tempête sur tempête. Autant aller voir dans la neige ce qui se passe. Se rapprocher un maximum, se mettre un point de spawn. Et puis à la limite attendre... Attendre gentiment le soir, dormir un coup et puis au petit matin on tue le nerby. Oh, si c'est des loups, je serais mal aussi. Je sais pas si ce qui me ferait le plus mal, des loups ou un ours polaire. Ou une nouvelle créature, l'ours bipolaire.
Et les petits loups là. Il y a des petits jaguars là. Rends-moi ma flèche, donne-moi des os. Le reste. Donne-moi du cuir parce qu'il y en a besoin pour les os, mais le reste, on s'en fiche. Ah, n'empêche, mon couteau il commence à faiblir aussi là, avec le nombre de bestioles que j'ai dû tuer et dépecer. C'est vrai qu'il y a ça. Hop. The wall. Ok. Le mur. Ok. Le nounours. Ne pas demander son chemin au nounours. Se mettre un petit point là où on doit aller. Se rendre compte qu'il y a des ours partout. Presque partout. Estimer que c'est droit devant. Bon, je pense qu'on peut juger de la nature de la bestiole qui est là-haut. Étant donné qu'on l'a vu. Je sais que les préjugés, c'est pas bien, mais là... Limite, comme je l'ai vu, c'est post-jugé, non ? Comment on est là? On est pas trop mal. Je te mets ça là-dedans. À la limite. Je peux mettre ça là-dedans. Comme ça, on s'allège un peu. On va peut-être mettre un toit. Quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je garde ma faucille là.
Limite, on va se mettre un stack de bouffe. You know, I can see why this place got shut down after all. Get rid of that thing. Ok. Il va quand même pas refaire ses PV, le con. Allez, viens. Allez, viens. Oh. Ah, sale bête. Nice job. You're a natural at this. Oh, ah bon? Ah, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Pouh. Fais-moi des flèches. Ok, toi. Excellent work, prospector. Ouh. Bon bah ils auront pas servi mes pics, il est même pas venu s'empaler dessus. Ah, quelle heure il est, 17h27. Oh, merci XK. Ah. Safe now. But still, I'll be happier when you're back on your ship. Ouh, j'avais même pas mis mon spawn point, dis donc. Ouh, on va quand même attendre le petit matin pour rentrer. Je fais pas le retour de nuit avec les ours polaires. Autant qu'on aura le soleil au petit matin par là. Bon, c'était bien un ours polaire. Je crois que c'est la première fois que je m'en fais un seul, sans perdre la vie. Heureusement, il perdait l'aggro, donc je pense que ça m'a aidé quand même. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. À plusieurs, ça sera plus facilement gérable. Avec un meilleur matos, parce que là, juste un arc basique, enfin, un arc long, hein, c'est pas. C'était. Ouais, heureusement que j'ai quelques points en chasse. Enfin, en arc, justement. Allez, dors un petit coup. C'est bon. Allez, toi. Tu as quoi, du coup? Du coup, tu fais Titi Bone. Viens, prends. ...150 max health, 100 max stam, c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Mais ça me rafraîchit juste mon buff. Et ben zou. Y'a plus qu'à rentrer à la maison. En faisant un petit détour parce que là on pourra pas monter.
faisant des petits détours parce que là il y a des ours. Ah bah merci XK. Merci XK, ça fait plaisir. Bah merci. Alors, on a évité le premier. Tout à l'heure, il y en avait un qui était juste à l'entrée là-bas. Parce que j'aimerais autant éviter de mourir et de repartir. Si je dois revenir chercher tout mon attirail, ça m'embêterait un petit peu. Mais toujours ici. Ah non, c'était la fin. J'arrive après la tempête. Pour une fois. Allez, trace. Donc ici, c'est The Great Cave River. On était allé à The Wall. Donc la grande rivière, c'est le biome principal, quoi, c'est le Styx. The Wall, parce que ça forme un mur de... une barrière de glace, j'imagine. Prendre le temps 2 minutes de regarder la carte tout de même. Encore aller du bon côté. Va du bon côté. Moi, je me suis fait des pansements et un kit de suture trop tard. Et des antipoisons trop tard. On serait pas servi une seule fois. Pourquoi je m'embête à prendre mes flèches. J'en ai un paquet de flèches. Aïe. Et ok. Tout va bien. Loup. Oula, oula, oula. Calme-toi. Jaguar. J'ai cru entendre un cochon. En fait, c'est un jaguar. Ah, c'est vrai que c'est des animaux assez proches. Ah, on dit... c'est vrai que c'est assez proche. On dit l'ami des chats et copain comme cochon.
Après, vous me direz, on dit aussi l'ami des chiens. Ça veut dire que les chiens aussi, c'est comme des cochons. Ah non, ça c'est trop. Aïe. Et il n'y arrive pas. Tiens. Il est sorti de la rivière. Donc là, faut contourner ça. Et on arrivera au pod. Et avec tout ça, vous remarquerez qu'on n'a pas remarqué de... Vous remarquerez qu'on n'a pas remarqué, oui, de grottes tout au long de notre pérégrination. Soit elles sont bien planquées, soit elles sont bien planquées, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de grottes. Les bourgeois sont aussi comme des cochons. Oui, on dit cochons de bourgeois. Allez, la dernière petite grimpette, le pod est en haut. Gardé par 5 courses, level 150. Où est-il? Il est là. Il était là, à côté de la falaise. Oui, donc ça c'est là où j'avais été pour voir un petit peu dans mes... Dans ma partie test. Ok. Donc ça, c'est le mur. Est-ce que derrière le mur, il y a des marcheurs blancs? Eh, on aura... Ah ouais, quand même. On a exploré un bon morceau, là. Par rapport à la taille de la map. On a vu un bon petit bout. J'oublie rien. J'oublie rien. J'oublie rien. J'oublie rien. Impeccable. Bon. Ah bah tiens, je peux reprendre des portable beacons, dis donc. C'est au cas où je les perde. Et bah c'est parti. Return to station. Mission complete. Ah. Ah bah je suis bien content de d'avoir réussi à survivre à un ours polaire tout seul. En hard. Parce que ils ont quand même beaucoup plus de PV. Ouais, c'est plus 33% de PV sur la faune agressive, un truc du genre, sur toute la faune même. Ah Elsa, Elsa, Elsa. Tu nous as débloqué l'émission de Styx. Et tu as récupéré un peu de sous. Ça veut dire que maintenant, sur Styx, avant c'était Olympus, ah pardon, Olympus, sur First Court, First Court Ground Zero, mission 2 sur 14, ah, ça me débloque ça automatiquement, ok, mais en même temps c'est logique, si tu dois faire une mission d'exploration pour, et donc on a encore des expéditions, Ricochet, Maelstrom, Vertigo ou Zephyr. Ricochet, c'est quel biome? Just came down from on high. We're pushing through to. Report of an oasis. Biome d'oasis. Ok, donc c'est du désert. Vertigo, c'est du désert aussi. Ça ressemble à du désert. Dry Ridge. Ça. Ring Lake, ok. Pendant lac. Geological formation has been spied from orbit. Pour aller trouver une Frozen Lake, ok. Et ça, The Wall. UDA needs a trail blazed. Preliminary data. Ok. Ouais, bon, on verra ça. En tout cas, je voulais absolument faire une première mission déjà pour voir ce que ça donne. Je pense que j'attendrai peut-être de le refaire avec en coop avant de
de repartir solo sur sur une des missions suivantes. Enfin, on verra. On verra bien ça. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Demain, on se retrouvera sur sur Seven Days to Die en coop. Est-ce qu'il y aura une horde demain? C'est possible? J'ai oublié. Je ne sais plus. Peut-être bien une horde demain, oui. Je ne sais plus. On verra. Non. Je ne sais plus. Ça sera la surprise. Donc demain, Seven Days to Die en coop. Et puis samedi, ça sera Stationers en coop. Avec un FPS pour certains. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.